Et pour les frères qui avancent, qui rentrent,
quand ils rentrent et avancent, ils remplissent les places vides, comme ça personne ne pourra leur dire d'avancer, personne ne parlera, et comme ça tout le monde va bénéficier de Jumma, Inch'Allah. كنا نود أن نكمل الحديث الذي بدأنا الأسبوع الماضي عن الرحمة والبركة في البيوت وفي العائلات، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نؤجل هذا إلى جمعة مقبلة بإذن الله. لماذا؟ لأنني أود أن أتكلم في موضوع يخصنا جميعا أيها الإخوة. بعض الحوادث تقع ولا بد أن نتكلم عليها، أو لا بد أن نتكلم عنها. هذه شوز كي أغيب وبولي في نير لسيرمون لسمة ديرنية لفيت لابواق de la miséricorde, de la baraka et de la bénédiction dans la famille, et comment vivre le bonheur familial. On devait le finir aujourd'hui, mais il y a un incident qui est arrivé hier et qui continue de temps en temps, depuis un moment, et je m'en trouve et on se trouve obligé de parler de ces choses-là et de confronter ces problèmes-là. Il ne faut pas que la mosquée ou le sermon ou le responsable ou les responsables soient totalement déconnectés de la situation actuelle dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre mosquée. وقبل أن أتكلم في هذا أذكر إخوة الشباب والحاضر يبلغ الغائب. Donc je vais dire inchallah, et je demande à tous les jeunes et aux parents également, ceux qui sont présents, de transmettre à ceux qui sont absents. Ou ne serait-ce que, je pense que le sermon est enregistré, ben j'aimerais bien inchallah, que nos frères, nos jeunes, écoutent ce message. Ce ne sont pas mes paroles. On va dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a été envoyé, c'était quoi l'objectif ? البعثة على النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الرحمة المهداة ستميزي ريكورد يأتي مهويات الإيمانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من بعد هجرة، ماذا فعل؟ كاتل في عليه الصلاة والسلام كنت إلى في الإميغراسيون دولا ميكا ميدين كيل سون لي بروميير شوز qu'il a pu faire, alayhi salatu wassalam. Et ce message, il t'est adressé à toi, et il m'est adressé à moi et à chacun d'entre nous, frères et sœurs, et tu dois le comprendre. L'objectif maintenant, Inch'Allah, de ce sermon-là, c'est de comprendre ce message et dire, est-ce que j'ai répondu à cet appel du prophète, alayhi salatu wassalam, à cet appel d'Allah, azza wa jalla, ou bien est-ce que j'avance et je chemine aveuglement. Allez, tout le monde est fini. Il y a un peu de temps à ce moment où il dit « Est-ce que je suis vraiment à la route de l'Habib ?» Et est-ce que je suis vraiment à ce que j'ai appris à Allah et à Dieu et à Dieu dans cette vie, ou est-ce que je suis vraiment à la route de l'Habib ? Il y a des gens qui sont les yeux mouhammadis. Je ne sais pas où je suis. لا يجوز هذا، يجب أن يتعلم الإنسان وأن يعرف الإنسان بأنه كل خطوة مسؤول عليها. الله عز وجل جعلك خليفة، نعم خليفة أنت وأنت 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 وأنا وأنت كلنا. الله عز وجل جعلك خليفة في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى a fait de toi un responsable. الله عز وجل a fait de toi un lieutenant. الله عز وجل a fait de toi un vicaire. Un vicaire, et ce vicariat, tu dois le mériter, et tu dois répondre à ce vicariat, et tu dois être à la hauteur de ce vicariat. Et je vous interpelle, pour le prix de la chaleur, que j'ai dit Allah Azza wa Jal Khalifa pour l'arbre, ou j'ai dit Allah Subhanahu wa Ta'ala Mas'oul, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah Azza wa Jal a dit aux anges que je vais créer sur terre un responsable, un lieutenant, un vicaire. Le malaïque ont dit, via Allah, vous allez créer sur terre des gens qui vont faire couler le sang, des gens qui vont s'entretuer. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ils ne seront pas comme ça. Donc si tu sors
encore de ce message, si tu t'éloignes de ce but, si tu t'éloignes de cet objectif-là, eh bien, sache bien que ce sont les pas de Shaitan ou l'ayadu billah. خطى الشيطان والعياذ بالله ان يزور الانسان كي يبعده عن طريق الله عز وجل والشيطان اقسم قال وعزتك وجلالك لاغوينهم اجمعين الشيطان جوري كو جو لي فوري ديفيي دي دروا شوما والله سبحانه وتعالى قال لا سلطان لك عليهم والشيطان نفسه قال الا عبادك منهم المخلصين sauf ceux qui sont sincères et un haut degré de la sincérité, je n'aurai pas de pouvoir sur eux. Ça, c'est Shaitan qui le dit. Je n'aurai pas de pouvoir. Il faut qu'on soit parmi ces gens-là, ces gens sincères et qui n'oublient pas l'objectif, qui n'oublient pas l'objectif ultime, la responsabilité qu'il devait garder sur cette terre. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, le Moussal de Madina, ma huwa awwal shay'in qama bihi, bana al-masjid. Il a construit la mosquée, alayhi salatu wassalam. La mosquée que vous connaissez aujourd'hui, la mosquée de Médine. Bana al-Nabi, alayhi salatu wassalam, al-Mada, kay yajma' al-Muslimin, kay yajma' al-Mu'minin. Thumma mada fa'al, alayhi salatu wassalam, salaha bayna al-Ansari wal-Muhajirina wa akha baynahum. Il a fraternisé, alayhi salatu wassalam, entre les auxiliaires et les immigrants, entre ceux qui ont fait l'immigration, ceux qui sont partis de la Mecque, et les habitants de Médine à l'époque. فجعلهم إخوة متحابين وجعل محبة الله عز وجل تسير بين القلوب. Et il a fait de telle sorte que les cœurs s'unissent et que ce soit un seul cœur, à un point où l'auxiliaire, l'ansari, يقول المهاجر عندي بيتان. أخذ بيت وأعطيك بيت ومنهم من قال عندي زوجتان أطلق واحدة وتتزوج أنت بالأخرى. Quel point de fraternité! À un point où les gens de Médine Ansar, ils proposaient aux gens de la Mecque, aux immigrants qui sont venus de la Mecque, ils leur disent: j'ai deux maisons, je t'en donne une et je garde une. Et j'ai deux femmes, je vais divorcer avec une, tu te maries avec elle. Pour qu'ils se ressentent chez eux. Les immigrants, eux aussi, leur disent Barakallahu fik pour cette proposition. Mais montre-moi où est le marché, je vais aller travailler. Donc, ikhwa, hatta annahum fi bina al-masjid, yabnuna al-masjid wa hum yunshidun wa yaqulun, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira, Allahumma arhamil ansar wal muhajir. Hakada kanu yaqulun. Ils construisaient la mosquée ensemble, la main dans la main. Et ils disaient, Allahumma la aisha illa aisha. La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Et ils disaient à Allah, que ta miséricorde soit sur Al-Ansar et Al-Muhajirin. Donc ce devoir de fraternité, ce devoir d'amour en Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans plusieurs versets dans le Coran al-Karim. Dans plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui bénit Allah Azza wa Jalla fi 'iddat ayat, wa minha surat Hujurat, ya ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Thumma yaqul Azza wa Jalla, inna akramakum 'inda Allah atqakum. Oh les gens, nous vous avons créé de mâles et de femelles. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et à la fin, il dit, le plus noble, le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a la crainte révérentielle. C'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui a taqwa. Aucune différence entre un blanc et un noir. Aucune différence entre un arabe et un non-arabe. La seule différence, c'est le degré de taqwa et le degré de crainte que tu portes dans ton cœur. Il a transmis le aux jeunes. Et ceux qui sont présents, ils transmettent. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit ceci? Quand on entend que dans des quartiers, dans notre ville, dans cette ville, des quartiers qui sont en problème entre eux, des jeunes qui se bagarrent entre eux, c'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est de faire le désordre? Est-ce que de créer de la peur chez les gens? Subhanallah, à un point où des frères ne peuvent plus
mettre la main dans la main, on travaille. Faut qu'on trouve une solution. Et on ne va pas à chaque fois les parents. Les parents sont dépassés. Les abams qui l'abjaman blair, ou j'ai j'tari, j'tari l'arak del jamil, menom j'tari l'amali, menom kathat l'amal, menom l'arba. Il y en a qui travaillent jour et nuit, à chaque fois on va adresser la parole. Les parents sont dépassés. Et les parents qui sont venus peut-être pour faire l'avenir de leurs enfants, ton avenir à toi. Il y en a qui ont travaillé jour et nuit. Pourquoi tu t'habilles correctement? Pourquoi tu grandisses? Pourquoi tu deviennes un jeune? Pourquoi tu deviennes un homme? Le père travaille à l'extérieur et la maman à l'intérieur pour te rendre un homme. Et aujourd'hui, quand tu es grandi, tu les fais baisser leur tête devant la société. Tu leur fais baisser la tête dans la mosquée. Il y en a qui viennent à la mosquée, les pauvres, ils font la prière. Ils veulent être avec leurs frères. Mais quand ils savent que leurs enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à l'extérieur, ils ont honte de lever la tête. Pourquoi tu fais ça à tes parents? L'imada taj'al walidin gad fad l'hal. L'imada, est-ce que tu te poses la question? Qu'a-t-il fait son père pour toi? Pourquoi tu le récompenses comme ça? Pourquoi tu récompenses ta maman comme ça? Pourquoi ces problèmes entre quartiers? Combien tu vas vivre? Depuis la mort de notre frère, le jeune Moussa, et croyez-moi mes chers frères les jeunes, wallah, si on avait la possibilité d'entendre Moussa, rahimahullah, ce jeune de parler, il va vous dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Il est auprès d'Allah Azza wa Jalla, rahimahullah, et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'est-ce qu'il va au paradis, inshallah. Mais s'il avait la possibilité de parler, il va vous le dire. Arrêtez. Arrêtez de faire le désordre. Arrêtez de semer la peur. يعني خلاص قد زرع الخوف في الناس حتى ان الانسان لا يستطيع ان ياتي الى المسجد لانه خائف بالامس يا يعني دي بروبليم يا سوا يا دي زينوسون كي اون ايديك وحشوما لماذا يعني جون اون بارتي في لا بريير ici اون بارتي في سانت موسكي elle va aller faire la prière dans une autre mosquée. Pourquoi tous ces problèmes là? Il y en a qui ont peur de passer la nuit, il y en a qui ont peur de sortir la nuit. علاش نزرع الخوف؟ اعلم انك مسؤول. Tu es responsable devant Allah Azza wa Jal de faire la peur, de semer la peur dans les gens. Pourquoi? Tu dois être une miséricorde pour tes frères. Tu dois être une sécurité pour moi. Quand je parle, je te vois, je me sens en sécurité. Et c'est ça notre devoir, ayyuha l'ikhwa. Adawa l'adab. Annani lamma amuru aqulu assalamu alaykum tash'uru anta bilraha wa tash'uru bil aman. C'est comme ça qu'on doit être. Ce n'est pas parce que quand je vais passer dans ce quartier, je vais avoir peur de recevoir une balle, de recevoir je ne sais pas quoi. Quelle vie on est en train de vivre? Quel avenir pour nos enfants? Quelle responsabilité pour nos enfants? Madana qulu lillahi azza wa jal. Madana qulu linabihi sallallahu alayhi wa sallam. Que va-t-il dire au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam quand tu le rencontreras au jour dernier? Par quoi tu vas répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vas me dire que je voulais venger pour notre frère? Tu vas me dire que je voulais venger telle ou telle personne, mais tu n'es pas appelé à cette vengeance. Tu es appelé à faire de la paix. Tu es appelé à faire de la sécurité avec tes frères, avec tout le monde, pour que tu sois un élément de sécurité pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes collègues, pour tes frères. L'aman, ayyuha l'ikhwa, l'aman, laisse la hukaman. La sécurité n'a pas de prix. Imagine-toi quand tu auras des enfants et quand tu seras grand, est-ce que tu veux que tes enfants réagissent comme ça? Hal turid an yata'amal awladuk hakda? Hal turid an yata'ti'a awladuk ra'sak? Est-ce que tu veux que tes enfants te rabaissent ta tête et tu as honte de sortir dans la société parce que c'est ton fils qui fait ça? Eh bien si tu ne veux pas ça pour toi, pourquoi tu le fais pour tes parents? Fakir ayyuha shab, réfléchis. Naam, réfléchis, je t'adresse la parole à toi. Fakir ayyuha turid an tasil, où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux arriver? À quoi tu veux arriver? Aïna turid an tada, aïna turid an tafal. Nahnu mas'ouloun ayyuha l'ikhwa. Nahnu mas'ouloun an awladina. Mas'ouloun an ikhwanina. Mas'ouloun an abaina. Abouk, omouk. Ijtahada min ajlik. Il a travaillé durement pour toi. Et subhanallah, des jeunes, je connais des parents qui travaillaient deux types de travail. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai envie que mon fils ressente qu'il est un homme devant tout le monde. Je veux qu'il s'habille comme tout le monde. Je veux qu'il ait des chaussures comme tout le monde. Je veux qu'il ait les meilleurs vêtements.
Et toi, quand tu grandis, tu sors et puis tu le laisses mesquin en train de l'imaginer. Et après, on va dire les parents. Certes, il y a quelques parents qui négligent, mais il y a des parents qui ont tout fait une certaine. Ils ont tout fait, ils ont souffert et ils souffrent encore. Pourquoi tu vas faire souffrir ton père à 80 ans? Pourquoi ton père va pleurer à 70 ans? Jusqu'à quand tu vas faire comme ça? L'imam est tout qui vont mal. Pourquoi tu laisses ta maman en train de pleurer à la maison? Elle est vieille. Elle a 50 ans. Elle a 60 ans, c'est le moment qu'elle se repose. On manque de terre. Les jeunes, vous êtes responsables. On va dire que tu es un bébé. Tu n'es plus un bébé. Tu n'es plus un garçon. Tu es un homme maintenant. Ne pense pas à, cette vengeance. Ne pense pas à les venger. Tu ne dois pas faire la loi. Parce que tu auras des comptes à rendre à Allah Azza wa Jal. Sois un médecin. Ne sois pas un juge. Soit quelqu'un qui va faire le bien, soit quelqu'un qui va faire la réconciliation. Kun min al-muslihin, la takun min al-mufsidin. Al-amr ayyuha al-ikhwa, wallahi al-azim yudmil al-qalb. Les cœurs pleurent aujourd'hui de l'état de ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi ces bagarres? Réfléchissez un peu. Faut cacher. Imagine que tu vas frapper quelqu'un et que tu le tues. Qu'est-ce que tu vas faire? On m'a qatala nafsan. Comme il dit Allah Azza wa Jalla dans son sommeil, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Imagine par erreur, imagine même si tu n'as pas l'intention de tuer, tu frappes une personne et tu risques d'avoir, je ne sais pas, il tombe un choc, ça y est, il n'est plus là. Quand tu vas faire peur à quelqu'un, quand tu vas faire peur à un enfant qui passe, tu es responsable, tu dois faire, Inch'Allah, tu dois faire, Inch'Allah, la sécurité, tu dois faire l'amen quand les gens passent. Ils se sentent en sécurité. Quand ton père vient à la mosquée, il vient la tête haute. Quand ta maman sort, quand ta maman se trouve entre les femmes, elle aussi, elle a envie de sourire. Elle aussi, elle a envie de se retrouver avec ses soeurs et de dire Alhamdulillah, mon fils, Alhamdulillah, ma fille. Ils ont besoin d'avoir ce sentiment aussi parce que si tu meurs, et tu ne pourras pas savoir ça. Tant que tu n'as pas d'enfant. Et le jour où tu auras des enfants, tu vas sentir ceci. Le jour où tu seras papa, tu vas sentir ce que ça veut dire un papa. Le jour où tu seras une maman, tu vas sentir ce que ça veut dire une maman. Le jour où tu vas assister à l'accouchement de ta femme, tu vas comprendre ce que ça veut dire une maman. Le jour où tu vas voir la souffrance de ta femme quand elle est enceinte, tu vas comprendre ce que ça veut dire une maman. Et tu vas tout faire. Mais hélas, attention, ça peut être trop tard. Ça peut être trop tard. Et terrible. L'imam d'Ashira. لماذا المشاكل لماذا الانتقام pourquoi ces problèmes pourquoi ces bagarres qu'est-ce que ça va t'apporter rapporter qu'on transmette ceci aux jeunes يا ولدي او mon fils يا ولدي انا اقول لك هذا يا ولدي يا بني يا بني يا اخي يا اخي عد الى الله عز وجل reviens à ton seigneur reviens الله عز وجل reviens à ton devoir reviens à ton vrai but sur cette terre là Arrêtera le responsable qui répond le bien sur terre et non pas celui qui répond le mal. Maintenant, je me l'ai dit aussi que là, qu'on m'y a moussé, voilà, qu'on m'y a moussé, qu'on m'y a moussé, qu'on m'y a salé, qu'on m'y a moussé, qu'on m'y a moussé, qu'on m'y a taé. Et tu vas donner l'exemple aux autres, tu vas les donner l'exemple même aux ceux qui ne sont pas musulmans. Tu vas donner l'exemple pour dire voilà nos valeurs, voilà les valeurs de l'islam. Voilà les valeurs de l'islam universel que personne ne pourra critiquer. C'est comme ça qu'on doit être. Que Allah subhanahu wa ta'ala anaslaha jami'a awlatana wa yaghfira dhunubana wa yassir a'yubana innahu sami'un mujib. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala khayri al-anbiya wal mursalin. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أنا أعتذر ربما رفعت الصوت قليلا ولكن والله القلب يبكي أيها الإخوة قبل أن تبكي العين je suis désolé je présente aussi j'ai aussi la voix mais il faut savoir que le cœur pleure avant que les yeux pleurent avec tout ce qu'on entend aujourd'hui avec tout ce qu'on voit aujourd'hui il ne faut pas revenir à la période de l'ignorance on ne va pas revenir à la période pré-islamique ما نرجعوش للعصر قبل الإسلام اللي كانت فيه البربر
وكانوا فيه المشاكل وكانت فيه العصبيه القبليه يا بي لي بروبليم entre les tribus il y avait des problèmes entre frères et sœurs il y avait des problèmes entre les quartiers il y avait des problèmes entre arabes et non arabes on va pas revenir à cette période l'islam est venu pour nous réconcilier entre nous pour faire la réconciliation entre nous la réconciliation avec nous-mêmes ان نتصالح مع انفسنا ان نتصالح مع الله عز وجل se réconcilier nous-mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à la vraie vie la vie qui va te permettre de vivre le bonheur d'ici-bas et le bonheur éternel Et nous parlons de ça pour éviter les drames. Pour éviter les drames, pour éviter que le drame qui s'est passé il y a quelques mois, pour qu'il ne se reproduise pas. Nous avons perdu jeunes, Moussa, rahimahullah. Vous voulez faire partir d'autres? Vous voulez que d'autres jeunes partent? Vous voulez couper le cœur d'autres mamans, d'autres papas? Vous voulez faire quoi? Mala turidou an taf'al, mala nourid an naf'al. N'halqu qloub ad l'ummahat aw marra oukha. N'qattu qloub l'aba. Pourquoi l'âme est devenue aussi simple que ça? Pourquoi il est devenu sans valeur? L'âme a une valeur, faut qu'on lui donne sa valeur. Faut pas qu'on banalise la vie humaine. Ça fait même un animal, même une mouche, un animal, tu dois avoir la miséricorde envers lui. Tu dois être miséricordieux envers toutes les créatures, même l'environnement, même un arbre, même une plante, tu n'as pas le droit de l'arracher. فكيف كيف بالإنسان كيف ببني آدم كيف بمخلوق عنده إيمان وعنده قلب ويصلي وتمنع أخوك تخاف لأنه خاف يجي المسجد et tu sèmes la peur dans le cœur ton frère tellement il a peur qu'il ne veut plus il ne peut plus sortir le matin pour venir à Salat al-Fajr qu'est-ce que c'est ça mais on va où comme ça on va où sachez bien que la vie est très courte et l'air L'homme qasir, un jour tu seras appelé, Allah Azza wa Jalla, tu vas faire quoi? Donc je demande à tous les frères qui sont présents, à tous les sœurs, de transmettre ce qu'on vient de dire. Et de dire que ce n'est pas ton but de faire le désordre sur terre. Et pour les parents aussi, Inch'Allah, si les enfants sont encore petits, et même la mosquée, les responsables, l'école à la mosquée, les cours à la mosquée, il faut faire vivre ces enfants-là. Il faut les occuper, ces enfants-là. Pendant les vacances, il faut les occuper, il faut leur apprendre ces valeurs, Inch'Allah. Comme ça, quand ils grandissent, ils vont comprendre ce que c'est, ces valeurs universelles, ces valeurs musulmanes, les valeurs libatines, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alaha fi dinina. Fi l'akh. منكم يسألكم دعاء يعني أمه في غيبوبة أن فخير parmi vous sa maman est dans le coma et voyez il va arriver un moment tu ne peux rien faire tu n'auras que ton dua d'un moment parce qu'il est dans le coma et le frère il pleure il est fait des dua Allah Azza wa Jalla je ne l'ai pas chifa ce jour les jeunes rendent heureuses vos mamans rendent heureuses on reste avec elles et de sortir le soir le camp à Oumouf Reste avec ton père, il a besoin d'eau, de sortir le soir. Au lieu de sortir le soir, au lieu de faire ses rassemblements, reste avec ta maman, reste avec ton père, ils ont besoin de toi. Comme Allah Azza wa Jalla, al-Yushafi hadi, al-Um, al-Yurda, ila ouladiha, salimatan, ghanimatan, inshallah. Kadalika, ukht, mariba, al-Azalkum, dua. Il y a une soeur qui est malade, elle vous demande dua. Et elle a le stress, elle commence à avoir peur de la mort. On lui dit, inshallah, votre relation avec Allah Azza wa Jalla, c'est bon, vous n'avez plus à moi à prier. Sachez bien que l'heure, quand elle arrive, tu ne mourras pas avant. Allez, on va dire, parce qu'il y en a qui ont une maladie de stress, je ne sais pas si ça s'appelle pas le stress, mais il a peur de mourir. Non, tu ne mourras que quand on arrive. Il y a une seule mort. Bon, tu as une maladie de mort. Une seule mort. Quand le moment arrive, il arrive. Tu veux te faire du mal à penser que tu vas mourir. Tu vas mourir, bien sûr, mais quand Allah Azza wa Jalla, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Alors, ne te rends pas la vie compliquée, inshallah. Que Allah Azza wa Jalla an yu'ajjil lak al-shifa, wa an yazuruk al-shifa al-ajil, wa an yulqi as-sakinata fi قلبي قوى اخر دعاء اخونا في اخ مريض يسالكم كذلك دعاء الله عز وجل يلا خرج من المستشفى من صفحه الهبيطان اللهم
عاجله وشفاء. اللهم اشف جميع امراض المسلمين يا الله. اللهم اشف جميع امراض المسلمين. اللهم اصلح اولادنا. اللهم اصلح شبابنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم معلمنا وارحم مشايخنا. اللهم ارحم من له فضل علينا. اللهم اجعلنا اخوه متحابين في جلالك. اللهم اجعلنا اخوانا كاسنان المشط. اللهم اجعلنا اخوانا متحابين. اللهم اجعلنا اخوانا هكذا حتى نلقى الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.